Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Matane. Merci, Madame la Présidente. Le premier ministre de Terre-Neuve, M. Danny Williams, a affirmé récemment que le Québec était un bandit de grand chemin, rien de moins. Avec un manque flagrant de savoir-vivre et une bonne dose de populisme, il nous a ainsi traités, nous tous, Québécois, de voleurs. Ce n'est pas la première fois qu'il se commet et ajoute au Québec bashing, dont le Québec fait encore les frais dans le reste du Canada. Je veux profiter de l'occasion pour lui rappeler humblement un fait historique. Le 1er mars 1927, le Conseil privé de Londres rend un jugement quant au territoire du Labrador. Le Québec perd ainsi un cinquième de son territoire au profit de Terre-Neuve. Depuis ce temps, le Québec n'a jamais reconnu la frontière délimitée par le jugement d'un tribunal qui était juge et partie. Le Québec n'a rien volé. Monsieur le premier ministre de Terre-Neuve, votre province occupe son territoire, celui du Québec, grâce à la complaisance d'une cour extérieure à notre nation. Merci, Madame la Présidente.